Alors, Mehdi a fait une demande de mutation, donc il est actuellement en SDIMS 3069, anciennement le SDIS 69, et il souhaite muter à la caserne de Pontcherry. Donc, en fait, on a fait tout simplement son dossier de demande de mutation. C'est quoi ton job d'assistante? Eh bien, j'assiste les chefs de caserne. Donc, entre autres, je m'occupe des dossiers de demande de mutation de la caserne de Pontcherry, comme les autres casernes du centre des portes du Dauphiné. Donc, je m'occupe des dossiers d'engagement également, qu'ensuite on présente au comité de caserne. Et puis, je m'occupe aussi de la saisie des indemnités, de l'accueil téléphonique et physique, du suivi des courriers. Je travaille aussi souvent avec les différents services et de la caserne. On ne va pas dire que tout repose sur nous, mais non, on est là surtout pour un soutien au niveau des chefs de caserne, pour les aider dans le quotidien, faire les courriers, dispatcher, s'occuper actuellement. Je suis correspondante du COS au niveau du centre des portes du Dauphiné, donc je dispatche les prestations au niveau des agents, je les informe des nouveautés, voilà. C'est la pierre angulaire en fait de la caserne puisque tout transite par elle au niveau administratif, et c'est elle après qui fait le joint entre les services de l'état-major, le chef de caserne et puis les agents qu'on recrute, qui mutent ou pour des papiers style arrêté d'avancement et des choses comme ça. Il vaut mieux connaître le fonctionnement du SDIS et puis connaître aussi comment fonctionne le volontariat. Parce que c'est vrai qu'à la caserne de Pont, sur le secteur centre du port du Dauphiné, j'ai travaillé à 11 professionnels et le reste des effectifs sont que des volontaires. Qu'est-ce qui te plaît dans ce boulot d'assistante? Le relationnel. Et puis notre en contact avec les gens, puis rencontrer différentes personnes de différents milieux, professionnels aussi. C'est vrai qu'on apprend à connaître beaucoup de monde, beaucoup de monde.